Coucou les amis et bienvenue à journée 21 déjà de notre série de la magie. Alors je suis sûre qu'il y a plein de choses qui se sont passées depuis le début de l'expérience et de la mise en place de ces techniques. Alors journée 21, c'est les résultats magnifiques. Alors qu'est-ce que c'est? On va recommencer comme tous les jours, écrire nos 10 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Donc tous les matins, on écrit merci à côté, on relit, vous pouvez l'écrire sur votre cahier d'exercice, de magie, sur votre téléphone portable, sur votre iPad, sur votre ordinateur, au travail, sur une page blanche le plus tôt possible le matin. Et ensuite, le matin ou au début de la journée, vous allez choisir 3 choses que vous avez à régler et dont vous voulez avoir des résultats magnifiques. Donc, 3 situations. Ça peut être, je ne sais pas, quelque chose, un deal à signer au travail, ça peut être un examen pour votre enfant, une entrée dans une université, ça peut être plein de choses. Donc vous allez choisir 3 différentes choses. Et puis vous allez écrire merci pour le résultat magnifique à mon entrée à l'université, à mon deal qui a été signé, à ce nouveau marché qui a été trouvé, à cette entrée d'argent qui était inespérée. Et pendant que la journée se passe, vous allez faire un autre exercice en parallèle. Vous allez choisir 3 choses, vous allez noter 3 choses qui se sont passées, qui ont été inattendues et pour lesquelles vous avez eu des super résultats. Je ne sais pas si votre boss arrive aujourd'hui et vous dit « bon, bah, vous avez une augmentation, vous êtes promu, vous avez eu un super résultat à votre examen, vous avez un proche qui a été guéri, vous avez perdu 3 kilos que vous vouliez perdre ». Vous avez le vélo que vous vouliez acheter et qui est apparu et qui est en solde. Donc, vous allez choisir 3 choses inattendues, 3 bonnes nouvelles en fait, qui arrivent dans la journée et écrire merci pour le résultat magnifique au vélo qui est en solde, par exemple. À ma super note à l'examen que j'attendais pas. Voilà, et vous allez dire merci, merci, merci. Le ressentir avec le cœur, on a fait l'exercice hier. Et puis, le soir, vous allez prendre votre pierre, qui est là, ma pierre, et vous allez penser à la meilleure chose qui s'est passée. Donc, en plus de ces 3 choses qui se sont passées inattendues, super, je suis sûre qu'il y a encore plein de choses pour lesquelles vous pouvez dire merci. Voilà, les amis. Donc, j'espère que vous avez passé une super magique journée. Et que vous allez nous en faire partager dans les commentaires ci-dessous. Voilà, j'attends vos commentaires. Partagez, aimez, dites-nous vos techniques. Et on partage. Et je vous aime très fort. Merci d'être là. Allez, à bientôt. Bisous, ciao.